au centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais pour ce premier entraînement d'après-stage en Suisse, à Saillon. Les Gones, on se trouve sous une chaleur écrasante. Les joueurs entament leur deuxième session d'entraînement avec beaucoup de jeux au sol, travailler les combinaisons défensives, offensives, sous les ordres de Bruno Genesio, qui a l'air d'être plutôt en forme, qui harangue ses joueurs. Alors il y a deux groupes d'entraînement, il y a un groupe sous la houlette de Bruno Genesio et un autre sous la houlette de Gérald Batic et Grégory Coupet. Alors les supporters sont pas en nombre, pourtant c'est les vacances, mais je vous dis, il fait très très chaud, on a l'impression d'être dans le désert californien, ou alors le désert du Sahara au choix. En tout cas, on va demander les avis des supporters sur cette première session d'entraînement, et surtout sur ce qu'ils voient pour le début de championnat, les recrues, et puis la Ligue des Champions. Salut Gon, je suis avec qui alors aujourd'hui? Jonathan, bah attends, on va avancer Jonathan. Ouais, ça marche. Alors Jonathan, t'en as pensé quoi de cette première vraie session après le stage en Suisse? Intéressant, on a eu pas mal de mise en place tactique au début, avant l'opposition. Ouais. Après il y a certaines confirmations, on a vu que... par exemple, Maxence Cacré est retourné avec la réserve. Ah voilà, c'est ça, parce que j'en parlais dans une précédente vidéo de Maxence Cacré. Il a du ballon quand même, ce garçon. Hein. Ouais, tout à fait. Mais malheureusement, il lui manque encore un peu le physique, quoi. Ouais, je dirais plus que c'est un choix, mais je suis pas en phase avec le choix. Mais après, bon, ça montre aussi que je pense qu'il y a certaines choses qui ont été, choisies de base, quoi. Et on voit par exemple un Cheikh Diop ou un Ndiaye encore en 10 qui ont été conservés pour le reste de la préparation. Alors Cheikh Diop, alors il n'a pas joué l'année dernière quasiment. Hein. Mm-hmm. Là on en parle comme d'une recrue, c'est Jean-Michel Aulas qui nous a annoncé ça. Il fallait compter sur lui. Il a fait une bonne préparation. Alors toi t'en penses quoi? T'as vu l'entraînement et bon, il t'inspire quoi? L'entraînement, c'est une chose, mais après, il a un profil assez complet, il peut jouer 6-8, donc je pense que pour Genesio, c'est intéressant de pouvoir compter sur ce type de joueur qui va pouvoir un peu dépanner à différents postes. D'ailleurs, il a fait jouer 6 sur le match de Sion, donc on voit qu'il peut le mettre un peu partout. Ouais, alors le gros chantier, c'est le chantier de la défense. Ouais. On risque de perdre Marcelo. Parce que bon, West Ham est dessus, 20 millions, on l'a acheté 7 millions l'année dernière, je pense qu'il y a une énorme plus-value à faire. Et surtout, il a 31 ans et West Ham lui propose de doubler son salaire. C'est inquiétant, non? Ah, ça se refuse difficilement. D'une part pour le club, déjà 20 millions pour avoir 31 ans. On sait que dans 2-3 ans, ça il en vaudra quasiment plus rien. Donc c'est sûr que c'est tentant. Et pour le joueur en plus, c'est un pont d'or. West Ham, en plus, c'est un assez bon club de première ligue quand même. Donc ça peut être tentant, mais bon, c'est vrai que ce serait un peu... Et on remplace par qui? C'est ce que j'ai posé à tous les supporters. Alors, on parle d'un défenseur croate, on parle de Yerimina, mais apparemment lui c'est pareil, il irait à Everton. Aulas, il nous a promis 3 recrues mondialistes sous peu. Ouais. Bon, après, entre ces promesses et ce qui arrive généralement, il y a souvent un décalage. C'est ça, on parle de promesses, mais lui, il déteste qu'on parle de promesses. Il dit qu'il promet rien du tout. C'est ça. Mais si, il promet des choses. Il promet des choses. Quand t'es face à des supporters ou tu parles dans la presse, tu promets quand même des choses. C'est ça, je pense. C'est pour ça qu'il faut essayer de prendre un max de recul sur ce qu'il dit. Parce que forcément, il essaye aussi quelque part de vendre un peu du rêve. Et puis bon, il sait manier sa communication aussi. Donc pour toi, t'as entendu une énorme qui te demande du rêve, toi? Pas en défense, du moins plus actuellement, en tout cas. Ouais. Mais là, non, effectivement, c'est un gros chantier. C'est vrai que si Marcelo part, tu sais, pose pas mal de questions. Tu sais qu'on risque de se retrouver qu'une charnière Mbiwa Morel. Mbiwa qui était catastrophique contre Sion, qui a pas joué une minute en 2018, qui touche 350 000 euros. Par contre, lui, il arrive pas à trouver de club. J'avoue que c'est un peu inquiétant. Non, surtout qu'on vient d'apprendre que Marseille vient de signer le défenseur croate qui a été la De Leipzig, je crois, non? C'est ça. Donc, ça en fait un de moins encore. Ça va être compliqué, hein. Il va falloir miser sur un jeune. Alors, il y a un supporter qui me disait Omar Souley. Ouais, il est très prometteur. Ouais. Le nouveau Diakabi, quoi. Ouais, c'est un autre profil encore. Mais ouais. Non, il est très prometteur, très, très technique pour un défenseur. C'est vraiment le défenseur moderne. Maintenant, il a encore pas mal de choses à apprendre parce qu'il a que 18 ans. Ouais. 18 ans, c'est l'âge quasiment de Mbappé. Hein. Donc maintenant, ça y est, on peut. C'est plus une excuse l'âge maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais à l'OL, je pense qu'on essaye de leur faire passer les étapes quand même plus progressivement dans notre club. Donc après, bon, c'est aussi une déontologie. Donc, mais je pense que Omar Souley va plutôt démarrer en doublure pour le moment. Et après, pourquoi pas se lancer sur des matchs de coupe ou autre, quoi. Et au niveau des latéraux, on est assez fourni. Hein,
On a du Raphaël, ouais, on a du Tété qui part pas, on a du Marsal. Ouais, c'est un peu un choix de luxe maintenant. On a du Dubois. Alors, ouais, l'eau Dubois. Attends, ouais, alors je te pose la question sur les deux recrues. Dubois et Terrier, tu les as trouvés comment, toi, l'entraînement? Toi, t'as regardé assidûment. Hein. Ouais. Terrier, alors, confirmation du match de prépa. Ouais. Condition très en mouvement. Ouais. Donc ça va être intéressant de voir parce que justement c'est un grenier plus vif, j'ai l'impression. Ils ont un peu la même démarche, la même coupe de cheveux. Gros jeu sans ballon, donc ça c'est assez positif je pense sur surtout nos lacunes globalement qu'on avait dans l'animation offensive. Ouais. Des fois on trouvait qu'il manquait un peu de mouvement. Donc, ça va être intéressant de voir comment il s'intègre dans le groupe. Et Dubois, il tente beaucoup de choses. On sent qu'il tente pas mal de passes, voilà. Il y a un peu de déchets, mais en même temps on sent qu'il a un jeu assez porté vers l'avant. Donc, c'est plutôt encourageant pour l'instant. Encourageant, et bon, t'attends peut-être une recrue offensive ou pas, ou ça suffit ce qu'on a du Mariano du... Ouais, offensive plutôt en 10. Bon, là on verra, mais je pense que Fekir Nabil il va malheureusement. Il va partir. Je pense que ça, il va partir Nabilon. Hein. Donc ouais, j'attendrais plutôt un profil assez milieu offensif qui puisse justement. C'est bon, on est toujours là. Compenser son départ quoi. Bon bah très bien, en tout cas merci pour tes analyses très aiguisées. Merci à toi, Et à très vite. Allez, à bientôt.